Finalement, les soins palliatifs s'adressent à tout le monde. Ils s'adressent à toutes les personnes, quel que soit leur âge, qu'elles soient âgées ou jeunes. Les soins palliatifs s'adressent également à toutes les personnes, quel que soit leur lieu de vie. On peut aussi bien faire des soins palliatifs à la maison que faire des soins palliatifs dans les maisons de retraite ou alors même, et de façon plus classique, des soins palliatifs à l'hôpital. Et enfin, les soins palliatifs sont également mis en œuvre quelle que soit la maladie. On a l'habitude de considérer que les soins palliatifs sont principalement mis en œuvre dans le cadre des personnes qui présentent un cancer, mais les soins palliatifs sont aussi mis en œuvre pour les personnes qui sont par exemple âgées, qui sont hospitalisées dans des maisons de retraite et qui présentent une maladie d'Alzheimer ou une autre pathologie apparente. Finalement, les soins palliatifs, c'est pour toutes les personnes qui approchent du terme de leur vie, quel que soit leur âge, quelle que soit leur pathologie et quel que soit leur lieu de vie. Alors, comment trouver une structure d'accueil de soins palliatifs près de chez soi ? Alors, la question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir comment faire appel à une équipe de soins palliatifs. Mais il y a différents moyens pour faire appel à une équipe de soins palliatifs. Le premier, c'est d'en parler aux professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou infirmières, qui s'occupent de vous. N'hésitez pas à leur parler directement des soins palliatifs et de savoir comment on peut y avoir accès, puisque eux, souvent, ont l'habitude de prendre des contacts avec des équipes de soins palliatifs. Un autre moyen d'avoir accès aux structures de soins palliatifs, c'est d'aller sur le site de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, sfap.org, et sur ce site, il y a un répertoire tenu à jour de l'ensemble des structures de soins palliatifs. Enfin, un dernier moyen d'avoir accès aux structures de soins palliatifs et d'avoir les coordonnées de ces structures, c'est d'appeler le numéro, et là il faut que je trouve,